Yo tout le monde, c'est Spécie, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur la Obscure Clan pour une nouvelle vidéo qui va aujourd'hui traiter sur Nuketown. Comme vous l'aurez vu normalement si vous suivez un peu les informations, eh bien Nuketown est disponible pour la 4ème fois sur un Call of Duty. Elle est disponible sur tous les Black Ops. Et bien sûr il n'existe pas de Call of Duty Black Ops sans la map Nuketown. Cette fois-ci elle a été pas mal remake, elle a été pas mal modifiée. On n'aura pas le droit à une map très colorée mais plutôt une map enneigée avec une teinte moins saturée, mais qui reste quand même à mon avis super belle. Ça me rappelle un peu Black Ops 1 et ses maps enneigées comme Summit, comme MWD, ainsi que son histoire, son mode solo qui parlait un peu de la guerre froide et où il y avait quelques missions en Russie par exemple. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez, moi j'apprécie vraiment cette map et surtout ce qu'ils ont fait avec. Ça change un peu, ça nous permet de découvrir Nuketown sous d'autres formes. Alors enfin, j'ai pas parlé du gameplay mais c'est un gameplay de Redway, un youtubeur anglophone de plus de 500 000 abonnés. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous le connaissez pas. C'est un youtubeur anglophone donc si vous comprenez un peu l'anglais, je vous invite à aller voir sa chaîne. Activision lui a permis de jouer à Nuketown quelques heures en avance, du coup il a pu nous proposer ce gameplay. Aussi j'ai oublié de préciser mais Nuketown est disponible dès maintenant sur PlayStation 4 à l'heure où vous regardez la vidéo, et le 20 novembre pour les joueurs Xbox One et PC. Du coup c'est très sympa puisque cette année sur Call of Duty Black Ops 4 l'exclusivité de PlayStation est de une semaine, puisque c'est un système bien différent que les DLC. Il n'y aura pas les DLC, je pense que vous êtes au courant, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien sachez que l'exclusivité est d'une semaine. Du coup c'est bien meilleur, comme ça les joueurs Xbox et PC ne se sentent pas délaissés et peuvent par exemple participer à la recherche du secret de par exemple des maps zombies, ou peuvent proposer eux aussi des gameplays à temps avant que bien la hype sur les maps soit partie. Voilà, aujourd'hui on va pas trop blablater, je vais vous laisser profiter du gameplay, mais juste avant de se quitter je tenais vraiment à vous remercier sur vos retours sur la dernière vidéo qui a atteint je crois une cinquantaine de likes. Donc si on peut le refaire sur cette vidéo ça serait vraiment sympa. Aussi si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas rater des vidéos. Surtout demain il y aura une vidéo très intéressante que je vais vous proposer. Ouais, ces temps-ci je fais tous les commentaires, je vais reprendre à la obscure. Non je rigole, mais voilà, j'ai vu que ça vous a plu, donc voilà, je vais essayer de faire le plus de commentaires possible et vous proposer le plus d'informations intéressantes sur Call of Duty. Sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et me donner vos avis en commentaire, c'est très très important. Sur ce je vous laisse, c'était Spécie, allez peace tout le monde. UAV standing by. Commence UAV surveillance operation. UAV above, missiles available. All stores available for tasking. Hard point identified. Your target has been destroyed. Hard point is secure. Two targets weak. AO pacified. We're taking multiple zones. He's gone. Fire break snuffed. Nine banks good to go. Nine banks. Merc forces are contesting Alpha. Start, ready to deploy. Hostiles contesting Bravo. Capturing multiple zones. Enemies are contesting A. Fire break kill. Cluster grenade. Establishing UAV data slice. Lives. Enemy combat. Enemy UAV above. Eject shack. Lead.
ready to trap. Enemy done. Dart available. Mine going UAV down. UAV standing by. Drop it down. Battalion.